Gloire à Jésus. Voilà, mais tout bonjour, le nom de Jésus. Gloire à Dieu, mes seigneurs. Ouvrez-vous la Bible dans Deutéronome, chapitre 32, 5e livre de Moïse. Deutéronome, chapitre 32, nous pouvons lire verset 1 à 4. Après, nous pouvons lire après verset 7. Il y a un titre, la cantique de Moïse. Ça, c'est si on va lire chapitre avant, chapitre existe le monde, chapitre verset. Bon, un frère qui a pensé, il y a de nous, le chapitre verset. Parce qu'il y a un seul, ça, la parole de Dieu, un seul, de qui est ensemble. Même la langue hébreu, il y a une virgule, il y a un point, il y a un tradition. D'ailleurs, la langue hébreu, il est créé par pendant gauche, pendant droite, il y a dans gauche. Par exemple, la langue arabe. La Bible n'est pas un livre européen, ni américain, un livre oriental. Il est écrit en Ancien Testament en hébreu ou bien araméen. Et il ne prend pas ici. Tableau là, nous prenons pas. Nous prenons à gauche là-bas. Hébreu sur la langue, sur le langage, quand écrit, il prend dans droite et dans gauche. Je peux comprendre là. La langue hébreu, c'est la foi, c'est la virgule. Celle qui, pasteur Bénin, quand tu fais mourir sur TV, c'est une petite chose. Il y a l'hébreu, lui. Il dit, dans la langue hébreu, il dit mari et femme. Il n'a pas existé ça. C'est nous qui mettons ça. On met husband and wife. Sur la langue origine, c'est mari-femme. Et la traduction, le mari et femme. Langue française. En anglais, vous dites husband and wife. Mais la langue hébreu, il n'a pas existé. Mari-femme. C'est qui la Bible de nous quand tu es devenu un seul. Tu peux comprendre là. Alors, nous, il y en a bien qui n'a point. Il y aura nos services. Tu es là. Quand chapitre, mais toi quand vous lisez, il y a un seul ça. La langue hébreu, il y a un seul. Chapitre, mais c'est pas existé. Il y aura nos services. Même bandit. Parfois, il y a bandit. Parfois, c'est l'homme qui met ça. Parce que sur l'horizon, pénatit. Pénatit. Parfois, il y a bandit. Là, par exemple, punition de Jonas. Il y en a bien mettre. Punition des Jonas, c'est pas une punition, une délivrance. Et là, mettre punition des Jonas, pas punition, il y a une délivrance. Si bon, on ne pas délivré, mais il est noyé. Qu'est-ce que je vais expliquer là? C'est pas une punition, ça rentre dans votre poisson, non. Une délivrance. D'accord, ça pas si la parole est connue. Alors là, on fait la Deutéronome pour nous capables d'indiquer, chapitre 32, vous voulez quelque chose de cantique de Moïse. Et ça, capable étonne nous, et moi, je suis étonné. Ça cantique là, si nous y allions en entier, c'est bien long ça. Et la parole, peut-être qu'il n'est pas agréable pour t'en dire, parce que bon Dieu repose sur le peuple, sur l'incrédulité, sur la désobéissance. Mais ça compte, ça qui est cantique de Moïse, dans ce chapitre 31, avant, ça connaît avant 31, 31. Le nom de révélation, peut-être qu'il n'est pas connu. 31, chapitre 31, verset 19. Bon Dieu, il me donne plein l'ordre, écrit à sa cantique là. Moi qui pourquoi, c'est toi qui parole, je vais mettre là-dedans. Vous trouvez un cantique? Une cantique, c'est un cantique mine de Dieu. Il y a mal de parole de Dieu, c'est peut-être à moi là. Il y a mon plein l'autre, écrire sa cantique là, enseigne ça à sa peuple là. Ça sortit de la bouche, bon Dieu ça. Écrire sa parole, écrire sa cantique là, enseigne sa peuple là, sa cantique là. L'homme qui Moïse écrit sous l'inspiration de Dieu. Alors je vais lire verset 1er. Bon, ce matin, mon titre c'est « Because la protection de Dieu à l'égard ». Ou si on peut écouter là. Faites mais vous ne pouvez pas l'un sur la côte. Il n'y a pas mettre l'un sur la côte là. Mauvais cause de protection. Qui mauvais cause de la main de famille? Sécurité. Tout en sécurité, en sécurité. Protection, un paquet de monde manque protection. C'est même qu'il y a de la crainte dans le monde. Encore avant trois terroristes, avant une situation qui va arriver partout, l'épidémie, toi là. Il y a de la crainte. Vous avez peur, vous enfants dans l'école là, vous avez clairement rentré là, tu vois aussi. Non, il va arriver, ça va un accident là aussi, mais. Vous avez de la crainte de l'avenir. Tu peux arriver après. On met Bande Mundéo, et là, père pour rentrer dans l'avion, père pour voyager les soirs. Même les sous, on a un brigand attaqué. Je connais, c'est la bande pays, c'est la bande l'endroit qu'on n'a pas allé, la police de défendre pour aller. Même les sous, on a un brigand attaqué, un malfaiteur. Je veux dire, enlevé. Et là, Léo enlève les enfants, tu m'as une rançon. Enlève les enfants pour vendre avec les autres 10 mounes. Le pétard, moi, tu as l'air, ça m'a appelé là. Alors, il y a une de la crainte, mais nous, bien connaître nous bon Dieu, c'est nous protecteur. Avant de lire ça là, je vais la pensée, je suis bien habitué à moi. Quand on peut presser, Dieu dit avec Abraham,
moi-même ton bouclier protecteur, moi-même ton grande récompense, moi-même ton bouclier protecteur. Dans la Bible synodale, lui met sa bouclier, met sa protecteur. Si vous voulez, second, il y a Jésus ton protecteur. Mais dans la Bible synodale, il y a Jésus, moi-même, moi qui te bouclier protecteur, moi-même ton grande récompense. C'est peut-être à moi là. Alors, l'histoire, nous lisons le verset premier. Il dit à cieux, quand Moïse, là, il fait cause. Qui ça? Qui fait cause cieux? Il y a une annonce qui fait écouter dans l'échelle. Là. Répétez-le moi là. Vous connaissez quand on fait la prière, il y a une annonce et recevoir ça la prière. Là. Pas dire que c'est bon de façon de tannou. Non, je connais ce tannou. Il dit à cieux. Parce que nous ne pas prier avec annonce, nous ne pas prier avec annonce. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Moïse qui fait cause là. Un cantique qui bondit. Il inspire lui, c'est une parole là, bon Dieu qui inspire lui. Il écrit sa cantique sous l'inspiration de l'Éternel, la Bible. Comme dit au chapitre 31, verset 19. L'autre qui bon Dieu donne ça. Cieux, prêtez l'oreille. À celle-là, nous, parole là, pour nous, la libre est pas vrai. Est-ce que parole là, pas pour nous, en famille? Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Il est attentif. Terre, mais nous, la terre, nous. Écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Non, moi, bien, explique-vous l'appli qui était là. Que mes instructions se répandent. Vous connaissez l'appli qui est tombée dans l'île Maurice Bordeaux là? Amen. Se répandent. Bien, le mot répandre, quand un juif lit à ça, ou bien grec, bien, un appli torrentiel. Moi, je suis dit, ben, ben, mot. Peut-être que tu sois la bouche, pas besoin de ça. Mais parce que, biblique, il y a répandre. Quand il y a quelqu'un, il y a une bonne chose, c'est répandre. Bon, c'est répandre sur bénédiction de son peuple. Pas une petite bénédiction, ça. Pas goutte à goutte, magi, qui répand lui. C'est même qui doit, mon malaki, dit mauvaise église des cieux. Mauvaise, mais délise, bénédiction qui descend là. C'est ça, me répandre là. Alors, il dit que mes instructions se répandent comme la pluie. Mais tu sais, quand on fait pas, on écoute parole là. Ça fait ça pour les oreilles, ça, les oreilles. Il rentre dans l'équipe, là où l'âme. Il rentre dans le caractère, dans la mentalité, dans l'attitude. Il répand, porte l'écho. Si vous êtes malade, parole là pénétrera pour la guérison. Et vous faites quoi cette parole de Dieu là? Vous pouvez faire ce poème là? Parole là, il répond dans l'écho. Quand on peut boire un médicament, quand on peut boire une laboration. Par exemple, moi, je suis un peu sérieux, on peut boire là. Mais, je suis là, par contre, bien quand tu es rentré, il ne peut pas vrai. Quoi, je ne suis pas capable, quoi, cause du bit, je vais prendre les temps, explique ban moi aussi. Mon façon, ça, tu comprends là? À quoi il doit répondre? Répondre, mais il y a des pèges partout. Il n'y a pas de tigit. Par exemple, église des cieux, délice des bécrons descendent là, pas goutte à goutte. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure. Jamais où tout. Pourquoi peine à la pluie, où tu lèves trempé, maintenant tu trouves tout ban vite. Non, ban vite. La pleine tombée, où tu vite là, mais trempé. J'aime la rosée là, ça. Cette parole là, elle pèterait dans nous. La potente fraîcheur, non. Dis avec moi, parole là. Et rapprécie-moi. Pas seulement au niveau physique, là. Nous n'avons besoin de rapprécier. Parfois, quand il y a quelque chose qui n'a pas besoin de nous n'avons. Le forme t'explique un d'appel. Quand ça qui gagne la petite lambeau aux semaines, tombe à la bébrique dans le brigand, Luc chapitre 10. Sacrificateur passe par prendre compte. Lévite passe par prendre compte. Un homme, un samaritain passe descendre sur ses balles. Une image de Jésus-Christ, ça. Descend à mettre de l'huile avec du vin. Ça, c'était quand on lit en salissement, c'est un médicament, ça. Il blessait qui gagne là. Bande, sauve, en plaie. Mais ça, de lui là, qui représente le Saint-Esprit. Il dit, ben là, représente le sang de Christ. À ça, une âme capable de blesser, pas connu de manière. Je vais t'en moi là. On va une parole, une âme capable de blesser. À quoi ça, bien la main, le pardon, pas qu'on de rancune, l'animosité. Applique le sang de Christ. Je vais t'en moi là. Le sang de Christ fait un travail. Puis, bon, je dis, vous faites lire en salissement. De moi qui bande la plaie. Moi qui bandé, depuis tant de mois là, ça appelait là, mon bandit, bien cicatrisé. Pas quand tout le temps appelait là, bino vif, depuis tant de mois là. Mais laisse parole là pénétrer dans nous, ma femme. Parole là pour une fraîcheur dans nos âmes. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Parce qu'il vient, il vient enseigner ça que le peuple bon Dieu dit. Comme ça, enseigner ça, le peuple là, Israël là. Non seulement il a enseigné, je vais apprendre, allez vous trouver. Je vais apprendre ça quantique là. Et bon, on l'esprit à Moïse, puis c'est ma parole. Comme des ondes sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'air. Il cause la pluie, il cause la rosée, mais fini qu'on voit, il cause ondes sur l'air, verdure, gouttes d'eau sur l'air. Verset 3, c'est parole ça.
quand je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Ça nous rend gloire, ma famille. Ça rend gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Somme 115, je vais te dire seule fois. Il y a non pas à nous. Non pas à nous, mais à ton nom de gloire. Parle-moi de la gloire pour eux. Là, je vais suivre moi là. Battre l'estomac, c'est pas qu'ils appellent. Pas pour donner la gloire pour vous. Bon Dieu, pas pour donner la gloire. Bon Dieu, pour faire la gloire, descendre dans la vie. Mais pas le redonner un seul, quoi dire. Quand on peut étudier, on peut penser à la tour de Babel. Là. Vous connaissez souvent, vous avez quand ça vous dit folie de grandeur là. Non, folie de grandeur. Vous avez quand c'est pas où lire ou dans les. Et il y a une folie grandeur, ça qui vient là. L'histoire de ça, l'origine de la tour de Babel là, ça. Une expression française. Bon, je ne viens pas que roman, moi. Et tu me montres la tour de Babel. Non, parce que mon y a un roman longtemps, une expression. Tu peux construire la tour de Babel. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas besoin de folie grandir. Mais nous ne pouvons pas grandir. Laisse bon Dieu de nous grandir. Tu n'as pas besoin de folie grandir. Folie grandir, qui l'a levé? La tour de Babel arrête de construire. Et moi, je pose la parole de Dieu là. Parole là, elle s'est pétrée dans nos âmes, dans nos caractères, nos mentalités, nos attitudes. Dans notre bien, dans nos conduites, nos comportements, ça bien, dans nos âmes, ça. Nous l'affection. Affection, bien, soit vous content, soit vous affectionnez une petite chose. Soit vous n'êtes pas content quelque chose, ça. Donc, ça fait attention, pourquoi vous. Hein, vraiment, dire. Content, ça qui vient là, pas content, là, qui est bien, ça m'a appelé. Demandez pas l'acception de personne. Mais même si vous n'êtes pas rire, vous n'en parlez avec bon Dieu. Même avec. Vous avez l'approche avec une façon. Pour carrer les bires de restes. Répétez-moi là. Pas couvert à baisser là, non. Non, pas couvert à baisser là, montrer lui qui n'est pas bon. Et montrer lui qui n'est pas bon, la cabine bon, libre n'est pas vrai. C'est pas quoi le mettre dans nous. Faut-tu prêcher le message une fois. Nous sommes conseillers, nous sommes conseillers de Dieu. Quand le premier ministre, nous sommes conseillers. Mais la Bible montre que nous sommes conseillers. C'est un démon qui nous apporte pour un conseil. Nous sommes conseillers, là, libre n'est pas vrai. Non, répétez-moi là. Vous êtes parole de la parole de Dieu. Quand je proclame le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Verset 4, il est le rocher. La Bible dit à nous, Jésus-Christ est le rocher des siècles. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. Vous connaissez bon Dieu, ce travail parfait. Peut-être que si tu veux étudier, pour que vous puissiez traverser là. Parfois, on n'a pas compris le plan bon Dieu. Et quand Dieu met ce plan, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas discerner. Vous dites une petite chose de toi, dans le message, même pas quand. Si vous ne pas discerner, vous ne pouvez pas prendre le plan bon Dieu pour le plan Satan. Ou bien quand Satan déguisé, il dit qu'il te trouve, pas bon Dieu qui posait. Comme ça, il me discerne. Il peut-être que ça le discerne. Ou pas connaître ou la main droite ou la main gauche. Non, ou pas connaître qui est noir, qui est blanc. Ou pas connaître. Non, nous même parler. Pas parler les rois. Parler goût de manger. Ou manger margose. Non, margose. Mettez un bout sous le lycée. La gauche, mettez un bout de margose. Tout, vous dites pas tout. Mais tête la langue. Moi, comment tu as fait ça? Boire de l'huile, boire. Après, tu as la langue. Qui mettait l'eau là? Mais si tu mets du sel, non, pas qu'on ait du sel. Non, il n'y a qu'à faire rien. Vous voulez qu'on discerne quelque chose. Avec le Saint-Esprit, tu sais, répétez-moi là. Bon, ses œuvres sont parfaites. Jean pour Dieu n'a pas aucune iniquité dans mon Dieu. Pas brin ténèbre, mais non. Jean pour Dieu ça. Dans son épître. Plan bon Dieu, pas aucun brin ténèbre. En fait, brin, on peut ajouter moi. Pena aucune trace de ténèbres dans vos. Bon, c'est ce plan parfait, lui. Parfois, nous ne pouvons pas comprendre, lui. Qu'est-ce qu'il dit? Ses œuvres sont parfaites. Quand toutes ces voies, VOUS, mais cette façon qui est bon Dieu à dire. Cette façon, ce plan, ce projet, sont justes. En fait, qui met après? C'est un Dieu fidèle. Et sans iniquité, là. C'est un exemple pour dire sur l'épître. Dans le plan bon Dieu, il peine à l'iniquité. Pena quelque chose qui te lève qui mal. Ce bon plan, c'est parfait. Après, qu'il mettait là, tout mettait là. Ses œuvres sont parfaites, toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Il est juste et droit. Bon, pour ça, tu as mal versé là. Parce qu'il fait une réponse avec le peuple là. Je souviens verset 7. Parce que je n'ai pas le droit de donner une explication là. Verset 7. Rappelle à ton souvenir. Vous connaissez bien une petite chose. Il y a un passé négatif qui vous a détruit. Mais là, il y a un passé positif qui vous rappelle. Pas tout passé qui vous détruit. Il y a, détruire. Il y a un passé négatif qui vous détruit. Parce qu'il vous compte tout. Mais il y a un passé positif. Ce passé positif-là, il montre-nous le passé positif. Il fait où
restez où? Vous ne pouvez pas faire face à présent là et l'avenir. David demande à Saül. Il y a un enfant qui a la guerre contre lui, il y a une guerre, il y a une jeunesse. David donne un témoignage du passé là. Quand on lui a calé avec Josué, quand on a posé, c'est cause qui soit le passé qui montait là, non, c'est la vie. Alors, pas tout passé, mon après ça, là, vous passez. Pas tout passé, hein, mon bris tout avec le passé, non. Tout le monde passé négatif. Tu peux t'en moi là? Et là, il n'y a pas de passé. Mais comment est-ce dans l'église? Est-ce qu'il ne nous pas rappelle le miracle que bon Dieu nous fait? Non, nous oublions tout le miracle là. Petit bédé à quelqu'un. Bon Dieu nous ouvre la mer rouge. 40 ans après, il ouvre les doules. Hein. Ça, bon Dieu qui écorte la mer rouge, elle mort, c'est à sec. Pas même le Gaumont. Mais ça, même bon Dieu, 40 ans après, il écorte les doules, maintenant traversé. Mais c'est bon Dieu qui fait un miracle, il veut pas vrai. Si vous avez la somme 66 dans le seul verset, là ça. Si la somme 66 dans le seul verset, 40 ans d'intervalle. Celui qui traverse la mer à sec, traverse le Jourdain à pied. Mais 40 ans d'intervalle, ça. Ça a monté qu'il fait un miracle dans le passé. Il y a encore fait un miracle, quand nous voit. C'est un verset qui le rappelle. Ça m'a dit, mille fois, mille fois. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Quand c'est le même chose qu'on va rappeler. Même chose que le bon Dieu fait un miracle, une sauve, une délivrez-vous. Pardonne-nous le péché. Mais si je me rappelle ça, pas de péché, ça. Libre ma brille. Là, quand on a la reconnaissance envers le bon Dieu. Moi, ce qu'est-ce que je me dis, bon Dieu, merci qu'il me pardonne mon péché. 45 ans gagné. 45 ans. Moi, merci de te pardonner moi, de te délivrer moi, de te transformer moi. Et là, quand je me dis, changement pas pour terminer. Changement progressif et graduel. Mais là, il y a un bon changement. Donc, on remercie bon Dieu, puis on reconnaît envers bon Dieu. Une situation présente, il y a qui veut nous donner. Rappelle qui bon Dieu, Paul qui a bon Dieu, nous délivrez nous. Il vous délivre nous encore, il vous délivre toujours. Dès qu'on rentre, c'est le verset 10. Bon Dieu, nous délivrez nous. Il vous délivre nous encore, il vous délivre nous toujours. La mer rouge est écartée, je vous laisse écartée. Je rappelle à ton souvenir, les anciens jours. Passe en revue les années. Moïse, fait quoi avec sa peuple là, ça? Peut-être qu'il parle de la bande jeunesse là. Donc, le peuple là, il a né, parce qu'il est né dans le désert. Je ne veux pas qu'on délivre de l'Égypte. Dans le désert là, parfois il y a une madame qui est enceinte, répète-moi là, dans les enfants là, pas qu'on l'Égypte, je ne veux pas qu'on délivre de la famille, ça raconte ça. C'est même quand il y a somme 68, ça raconte ça aux enfants. Et tous les enfants racontent ça les autres, génération en génération. Rappelle à ton soutien, quelqu'un fait converti. Allez, deux ans converti. Est-ce qu'il rappelle? Bon Dieu fait un miracle, 40 ans, le chercheur la vie. Pas pour rappeler, parce que si on connaît de nouveau, il est pas vrai. Rappelle-nous ce baigner les anciens jours. Passe en revue les années, qu'est-ce qu'il veut dire? Génération pour génération, parce que ce peuple là. Interroge ton père, tu ne pas connaître toi. Tu ne pas connaître l'Égypte, tu ne pas connaître ta délivrance qui bon Dieu nous opérer là. Tu ne pas connaître qui bon Dieu miracle dans des ailes, tu ne pas connaître tant qu'on doit mort de ton maman. Au même pas encore concevoir. Pose question à ton papa. Laisse-t-il raconte-toi merveille de Dieu. C'est même qui bon Dieu qui dit avec Ézéchias. Le bétail de moi, bon Dieu qui dit avec Abraham aussi, pareil, Genèse 18. Est-ce qu'il m'a caché l'Abraham, tant qu'il ne m'a pas le faire? Certainement, il peut enseigner sur mes enfants. Ça, c'est pas ce moment-là, là. Samuel. Il n'a pas de miracle bon Dieu. Vous voyez, son papa, quand il est grand, papa, maman, qui s'est raconté, il ne peut pas vrai. Mais là, c'est même qui t'a rappelé, c'est même quelque chose-là. Tu ne pas connaître, dis-moi ton papa, il ne peut pas enseigner toi. Interroge ton père, il te l'apprendra. Tes vieillards, ils te le diront, oh, ben, la connais, c'est un miracle bon Dieu de faire. Mais Banzé ne pas connaît, il n'a pas tant connu. Verset 8, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il fait comme ça, il fait comme Genèse 11, là. Quand il sépare le peuple, c'est après ça, là, la tour de Babel. Quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites du peuple. Quand on reste ça, quand on reste ça, c'est même qu'il y a une dispersion, ben, ça, tout paraît dans le même endroit. Si on connaît le monde, non, le monde, ben, le peuple a disparu, il n'est pas vrai. Nous, l'île Maurice, nous. Mais dans l'océan Indien, puis dans les autres îles, dans le Géo, puis dans le pays, dispersé. Le pétale moi là, mais ça arrive ça quand bon Dieu se disperse dans Genèse 11. Je vous donne la gloire pour vous même. Verset 9, quand la portion de l'éternel, c'est son peuple. Je connais, je vais presque l'héritage. Je connais, nous un héritage bon Dieu, nous. Mais un héritage bon Dieu. Quand la portion de l'éternel, c'est son peuple, Jacob est la porte de son héritage. Quand on est autour de Jacob, Israël, je prends les coups. En Jésus-Christ, nous sommes Israël de Dieu, nous. Descendant de Jacob, descendant d'Abraham. Mon père pense ça. Nous sommes les enfants de la promesse. Je parle avec moi, Isaac.
Pareil comme Isaac, enfant de la promesse. Nous pouvons suivre sa lignée. Là. Nous devons descendre dans cela, nous. Parce que Dieu de la promesse, vous pouvez, il y a un message, moi, d'après tout, là. Vous pouvez réutiliser Dieu encore. Dieu de la promesse, parole de la promesse, enfant de la promesse, c'est peut-être moi, là. Bon Dieu, un bon Dieu. Celui qui fait la promesse est fidèle. Yeah. Toi, la haute angèle, là, c'est de fidèle et sans iniquité. De chez toi. Je vais la suivre, moi. Mais c'est juste qu'il a trouvé dans une contrée désert. Là, quand tu étais avant, parce qu'Israël, là, dans une solitude pour Ephraïm et Allemand, lui Allemand. Après, qu'il m'a dit, ça qui est important, là. Il a que c'est la bonne famille. C'est Dieu. Il l'a entouré, parce que ce peuple-là. Là, si vous entourez, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Mais quand le peuple est là, l'ange campe autour. Vous l'amusez, moi. Non, il n'est pas vrai. Il l'a entouré. Dans sa carrière, bonté, entoure-nous d'une muraille de flammes. Allez, vous trouvez. Le prophète Zacharie, dans Zacharie, là, pas Zacharie, papa Jean-Baptiste, prophète Zacharie. Parce qu'il y a un verset que je ne vois pas dans NZT, un dimanche, quand tu mentionnes ça. C'est un kilo, l'homme qui bondit pour ce papa, pour voir sa message. Il l'a entouré, il en a pris soin. Qui bondit faire avec nous pour être une famille, l'entoure-nous, il prend nous soin. Après, qu'il mettait, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. C'est le garder. Préserver, protéger, tout en sécurité. Non, il n'est pas vrai. Entoure-lui, prends-lui soin et garde-lui comme la prunelle de son œil. Fait que maintenant, Zacharie vous dit, si quelqu'un te souffre, il peut tout cela grandir, bon Dieu. Mais nous devons être connus, nous sous la protection de Dieu. Parce que c'est bien, parce que c'est ce qui n'est pas bon. On ne peut pas sortir en lieu de protection, bon Dieu. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Sa peuple dans le désert là, il délivre lui. Bon Dieu peut entourer. Et quand on étudie, c'est un peuple qui, malgré tout, est incrédule. Ça ne vient pas qu'il mort dans le désert, quand on lit. Il est incrédule. Je méprise la parole, bon Dieu. Je la guerre en Moïse. La Bible nous, le peuple cherche à querelle à Moïse. De 4-5 fois. Même pas de lapider tout. Maintenant, on a une bonne nouvelle. Nous allons prendre roche. Pour la pite calée, mais qu'ils ont tué. Dès que pays, là, c'est la même bonté, puis de nous, ça. Mais là, pour un respect, c'est bon, c'est bien qu'il est venu. Vous devez. Et toute la gloire, bonté, t'apparaît d'un coup. Quand il y a ça, dimanche, je vous dis ça là, dans le psaume, là. Quand un duc, quand il causait des seigneurs, dans le duc des seigneurs, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Quand il y a ça, la semaine, protège-moi. Mais là, il y a qui les ailes, il fait causer. Sa grande lègue royale, là. Tout lui, là. Quand un duc, tu dis, David pour dire ça, protège-moi l'ombre de tes ailes. Il paraît que moi, c'est ça, ma poule qui veille sur ma petite là. Parce que ma poule là, il me cassait ma petite pied, parce que les ailes, il me gonflait. Ou si on peut écouter là, et quand je traverse, je suis vraiment ça. Je ne sais pas comment tout ça, petit là. Il me fait un bon Dieu fait. Bon Dieu, quand on se protection de son peuple. Tu peux être à moi là. Ou bien là, ça. Pas délaisser sa parole là, ma famille. Et là, ça commune avec bon Dieu là. Situation, là, il peut y aller. Mais on a la solution. Non, il ne peut pas vrai. Ou plaît ou pas plaît, pour vouloir encore la terre, ça ne peut pas venir un événement négatif. Mais ou pas vaincre, ça ne peut pas vaincre. Ou so, victoire dans l'épreuve, Romains 5. Vous avez peut-être moi là. Ah, ça parle de votre situation là ou même. Paul dit à Timothée, je même je vous ai demandé tout le monde. C'est ça. Moi, là, je dis avec moi là. Ça connaît Jésus dans nous. Maman Damien Larry, tu as l'air là. Non, tu as l'air là, maman Damien Larry. Comme un prêtre, un homme de Dieu, tu gagnes la parole traverse, l'enroue traversée. On se dit, allez-toi, mon brisson de l'Orient. Il raconte ça, parole dans sa route ne va pas traverser. Jésus a un homme traversé. On se dit, allez-toi, mon brisson de l'Orient. Jésus a moi, là. J'ai pas tant de bon Dieu aussi. Et on peut poser la parole de Dieu, là. Pareil à l'aigle qui. Vous pouvez lire, vous pouvez expliquer tout en même temps. Pareil à l'aigle. Pareil à l'aigle, là, ma famille? Un exemple, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, un petit aigle. Voltige ça c'est petit, déplace ses ailes. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que l'aigle fait là? Déplace ses ailes, il tourne comme ça, il fait ça un petit là. Doit fondre, doit bout de montagne là-haut. Pendant qu'un bébé parle tout ça, l'aigle là. Maman l'aigle, papa l'aigle là, un aller là, un reste là. Si vous tous, un aiglon là, vous avez un problème, oh papa l'aigle, maman l'aigle, répétez-le moi là. Béqué. Déchire toi, juste béquer ce bec là, déchirer ça, déchirer. Pareil à l'aigle qui émet sa couvée, boltit sur ses petits,
déploie ses ailes, les prend. Parce que Moïse fait une comparaison, bon Dieu, avec sa lettre là. Par exemple, bon Dieu fait prend soin, entouré, garde comme la prunelle de son œil. Jamais où aller dans la rue pour enseigner la brise, tout le monde pour lui, c'est là. Mais moi, c'est la brise, un tourbillon venu. Qui vous cassez la mort là? L'Isée là, jamais la poussière rentre dans l'Isée. Nous sommes arrivés, la poussière est rentrée. Bon Dieu, prends son soin. C'est un petit jeune, nous dépôts, l'arrivée du pays. Si vous prenez le plan, bon Dieu, faites la poussière. Mais admirez, grognez, plaignez, plein la place. Quand matin, sommeil cassé 33 ans, moi, 20 ans, matin, paye louer le Seigneur, moi. La pipe de balle de haut, paye louer, fait adorer. J'ai mal, priez pour elle. C'est quand j'ai salé, là, moi, j'ai couvert la tête, moi, le ton, là. Priez pour elle, priez pour elle, priez pour l'autre. Mais bon, c'est quand les voix soient, je les vois, pour qu'il est là. Et quand on va prier, elle s'émance, ça, on peut récolter, et après, où? Puis donner une image. Ben, tu sais pas, ça, c'est image, ça, les gars. Paul, si, ça, c'est petit. Après, il y a même d'autres. Connais, elle, il pas battre les ailes. Non, il n'est pas battre les ailes, il plane. Il plane. Bon, tu prends soin. Tu parles comme le peuple, une tête, le peuple dans l'Égypte. Parle-moi ça, l'église, maintenant. C'est ce que je vais expliquer là. L'Éternel seul, déploie ses ailes, les prend, les pose sur ses plumes. L'Éternel seul, fait une comparaison entre l'église, l'église royale là avec bon Dieu. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Non, bon Dieu, c'est le bon Dieu étranger, c'est avec lui. Est-ce que bon Dieu, c'est un Edji? Bon Dieu, c'est bien Moïse, c'est bien Aaron. Mais bon Dieu, il fait un miracle. Non, il n'est pas vrai, c'est bien Moïse. Lève ton bâton Moïse. Fan la mer. Mais en fait, quand il y a somme 107, c'est pas somme 105, c'est bonté qui mène à la mer. À ça dire, impose les mains à le malade, c'est la mer là. Et c'est bonté qui guérit ma famille. C'est bonté qui guérit. C'est pas un qui guérit. Je vais mettre ça sur Facebook. C'est là que madame moi qui guérit tout le monde là. C'est bonté qui guérit. C'est bonté qui guérit. C'est bonté qui délivre. C'est bonté qui fait un miracle. Elles sont d'accord avec moi? Une image là. Nous qui dit David dit. Somme 17. Je me suis longtemps, je ne pas rôle. Je vais faire une visite. Je vais faire 1000 visites. Mon père. Je tape la porte. Ah, vous pouvez venir. Je me suis dit, un certain lycée n'est pas venu avec moi. Les chrétiens qui ont cause comme ça? Non, est-ce que les chrétiens qui ont cause comme ça? Mais langage est sensé. Il y a quoi? Langage de foi, langage d'espérance, langage de Dieu. J'ai écrit dans les pharisiens, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne recevez pas mes paroles. Pas ces bonnes paroles là, pas comprendre l'angage, l'angage de foi. Alors, on dit où sommes, qui sommes là? Sommes 17. L'esprit a porté verset 5. T'es là, Christine, pourquoi tu sens ça? Si tu tournes mon cœur, si tu tournes mon cœur, verset 3. Si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien, etc., etc. Mais nous prenons verset 5, là, c'est cause de protection de Dieu. Il n'y avait pas protection de Dieu. Il y a une image dans Deutéronome là. Parle-moi ça, l'église là. Il y a un si bon Dieu qui compte sur le peuple, parce qu'il n'y a personne avec lui. Ça peut pas le laisser 40 ans, nourri de la manne, qui a de l'eau dans la roche. Ben, l'ennemi va se mettre avec les autres. On va commencer à Amalek venir, c'est le premier ennemi, ça, Amalek, avec les autres. Ben, guerrier, ça. Les autres travaillent, c'est la guerre. Mais ben, descendre à Amalek, quand on l'aime, ben, Amalek, spirituellement, quand on l'aime, fait le peuple. Non, il faut bloquer la foi, on empêcher d'avancer. C'est pas nous ça. Amalek présenté. Pas annoncer ça. Pas annoncer. Il dit Amalek présenté avec son homme. Bon, aux autres. Mais celle-ci, mais qui vous a passé, c'est là. Avec les autres, c'est de vous trouver. Elle doit faire réfugier. Pas à l'autre endroit pour passer là. C'est là qui vous a passé. Et Amalek, une bosse, il met sur l'homme. C'est un petit bon. Moïse dit aux autres. Mon première fois, mon seul nom d'aujourd'hui, allez vous trouver. D'ailleurs, bon, tu es en Égypte, certainement, tu es là. Tu traverses la route, tu es là. Mais pas de mention de son nom avant. Exode 17, et ta présence Josué, il y a un combattant, il y a un guerrier. Josué, sois jamais de pour la guerre là. Lui monte le montant avec sa bâton, le connais là. Aaron, il a tout soutenu. Mais ça cimé là, il a le cimé là. Pas qu'à reculer. Il a la mer et la montagne, bien avancé. Mais vous avez un Amalek là, pas qu'à un obstacle, dis-moi. Pas qu'à faire le tour montagne, passe en bas la rivière, retourne là où la vie passait, non. Vous avez un obstacle là. Pour rentrer dans la terre promise, c'est un obstacle, tu m'en veux. Quel obstacle tu es là? Pour te rendre dans la terre promise, traverser le boulot, oui. Mais quel obstacle? Il y a Jéricho. Non, la ville Jéricho, là, il y a une forteresse, c'est une belle ville grande, ça. L'homme qui bon Dieu, il y a un plan qui paraît étrange. Qui fait les tours, Jéricho, souffle trompette. Rentre là, rentre, un jour, deux jours, septième jour.
Cette fois, c'est même pas qui gagne, vous sortez une pépition, vous donnez la parole, vous êtes ça qu'on peut faire. Causez. Et même pour pauvre citoyen, vous vous appelez pour la gloire, bon Dieu. Et morcez. Parce que vous morcez depuis une pépition, vous payez des sangs. Mon père allait, après, morcez la case. Causez un petit gagne. Écoute-moi, il n'y a pas un moment donné, je tiens la Bible dans le sac, dans le temps. Vous voyez, dans le temps de Raphaël là. Il n'a pas répondu moi. Il dit, moi, posez une question. Vous observez le sabbat où? Mais il écoutait cet homme-là. Il dit, vous observez le sabbat? Moi, observe le sabbat, moi. De suite, moi, j'ai une révélation. Je me dis, qu'on est frère. Vous posez une question. Vous connaissez Josué. Je dis, oui. Je viens de ma serviteur de Moïse. Vous dites, vous connaissez cette taxe de Rigaud? Je dis, oui. Vous dites, qui? Il dit, oui, tu fais tout. Je dis, mais, septième jour, là. Qui joue ça? Je dis, moi, le sabbat. Vous dites, mais, tu vas rester dans le camp, pas le. Non, tu vas pas, jour repos. Reste dans le camp, cinq jours, fais beaucoup de travail. Faut pas l'offenser, moi, j'ai dit ça. Là, moi, j'ai dit, le sabbat, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui donne le vrai repos. Répétez-moi là. Comme un homme de Dieu, tu dis, vous pouvez observer le sabbat. Mais si vous, madame, vous pouvez un baba, qu'est-ce que vous faites à ce jour-là? Non, parce qu'il n'a pas fait aucune action. Parce que ça, la loi, ça, il ne faut pas qu'on observe ça, la loi là. Le sabbat, il y a un jour. Mais il ne faut pas dire tout seul. Il y a tout le monde qui est dans la case. Après, même les étrangers qui sont dans la cause. Tout le monde, il y a un petit monde dans les environs, il y a un sabbat. Donc, quand même, il impose la loi à l'autre monde. Non, quand elle impose la loi, elle va dire, là, si vous pouvez observer, ou bien vous avez voisin, vous avez observé, là, ça qui l'a dit, elle n'a pas impossible. Il y a un problème, moi, monsieur, madame, là. Quand vous avez des alentours, là. Je connais le bon Dieu, me dire, vous pouvez observer le sabbat, et tout le monde les environs. Mais ça n'est pas impossible. Le sabbat, le vrai repos, c'est Christ qui donne la main. Et puis, dans le mois, là, bon, on ne peut pas faire offense, personne ne me dit ça. Mais il y a un bon Dieu qui donne le vrai repos, amen. Et puis, dans le mois, là, ma famille, mais est-ce que vous continuez à aller? Ben c'est ça que je veux dire. Mes pas sont fermes dans des sentiers. Mais bien essentiel point. Alors où la mort, alors où la mort, c'est comment vous avez été? Dis avec moi, vous avez la mort ferme. Vous n'êtes pas sancelé. On dit que sancelé, mais dans le multibaloté. Là, c'est cause de la mort. J'ai en fait cause courir vers le but. Mais c'est une cause là. Soit vous morcez, soit vous courir. Mais spirituellement parlant, où la mort? Où la mort, c'est la mort ferme. Passe encore à droite, à gauche, le problème c'est tout en bas, relevé, casse contour, non. Ferme. Mon Dieu, par moi ça te remette là. La justice de Dieu va nous ferme par ça te remette là. Un job qui en Israël te remette sur racine naquée en bas. Si tu as une classiste, pas qu'à en bas. Vous avez la mort, qui est la mort balotée, Brasil, un petit la brise, pour tout j'ai tout de l'autre côté, un autre la brise, j'ai tout dans le carreau, dans la patate, dans le bambou, non. La foi ferme, il s'est fixé le Christ, vous rentre dans le but, amen, par la foi. Et tu vois pas comment on peut faire là? Ben c'est 6. Je t'invoque quand tu m'exauces, ô Dieu. Je dis la vie de Bédia là. Je t'invoque quand tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole, t'es prié là. Signal, pourquoi le mot signal, mon gars, ça va accomplir un miracle. La Bible m'a donné un signe pour accompagner nous qui signe. Un prodige, un miracle ça. Signal ta bonté. À cause de bonté, manifeste bonté, tu fais un miracle dans la vie. Signal ta bonté, toi qui sauves. Vous pouvez suivre moi là? Vous pouvez lire la somme 17, la partie verset 5. Toi qui sauves, ceux qui cessent, hein? Refuse, même quand je refuse, ben jour là. Refuse, abri, la tour. Et qui porte à droite le délibre de l'adversaire. Nous sommes l'adversaire, nous. Ah, c'est pas l'adversaire, pas où, Zan, ou beau-père, ou belle-mère, ou beau-frère, ou famille, non. L'adversaire, c'est le diable. Mais l'adversaire, c'est le diable. Ah, ça, capable, si on n'a pas bien en nous, ça, c'est sa paix. Mais là, quand on dit, ça lui est bon Dieu, là. Nous avons prié pour lui, pour bénir, pour protéger. Intercède pour lui. Parrain le mal pour le mal. Non. Nous sommes l'adversaire. Adversaire de la foi. Moi, j'ai un adversaire de la foi. Ben, doute. Ben, la crainte. C'est un petit 366 fois, j'ai pas gagné père. Parce que des gens là, gagné père. Tout qui te père, père, non, rien du tout. Père, tout qui te seul. Si tu as la parole là, pas gagné père. Tu connais une bonté qui a délivré où de la crainte. Pour la crainte là, il y a l'ennemi de la foi. Il y a un adversaire ça. L'incrédulité. Inquiétude, prends tracas, prends souci. Non, il n'est pas vrai. C'est un adversaire. L'empêchement, assieds-moi la foi. Vous pouvez être délivré, ça va l'adversaire là. Après, verset 8, tu mettais. Garde-moi comme
Après une heure de l'heure, vous trouvez qu'il est trop long. Garde-moi, pas parce que garder la même famille, garde-moi comme la prunelle de l'œil, après qu'il mettait. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Une banquette de rondes, ça c'est les ailes là. Ça, il faut un exemple, ça grand aigle là. Bon, tu sais que ça grand aigle royal là. Couvez-la. Fais la mort gousse. Fais la petite bébête bien à ta cou là. Ce qu'on comprend pas Philippe là. Gagne révélation, le protection, bon Dieu. Nous causons la tour. Le nom de l'éternel, Proverbe 18, verset 10. Il commande la tour faute. Le juste trouve un refuge pour en sécurité. Bon, pour terminer, le, pas besoin de la Bible, Zacharie. Je ne vois pas mon mensonge ça. Là, je me dis, vous pouvez examiner, je ne peux pas dire ça. Des fois, je dis ça. Celui qui vous touche sur la première tour, là, bon, je dirige mal au Deutéronome. Quoi qu'il y ait beaucoup de versets, pas qu'à prendre tout. Deutéronome, ça peut être grandé. C'est ça, quand on dit Moïse, il est long, quand il est long, ça. Deutéronome, je prends Psaume 17, à ça, je termine au Zacharie. Le prophète Zacharie qui dit, quand celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Est-ce qu'on ne peut pas répéter là? Deutéronome, Psaume qui nous lit là? Psaume 17. À ça, le prophète Zacharie dit, celui qui vous touche. Mais c'est sous la protection de Dieu. Bon, je peux prendre où soin, bon, je peux en tout, parce que ma salle est grande, tout ça, un petit. Garde-moi comme la prunelle de ton œil. Protège-moi l'ombre de tes ailes, l'habitude dit. Qu'est-ce que Zacharie dit? Quand celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Après, qu'est-ce qu'il dit à le peuple? Pas besoin de la Bible, là, Zacharie, chapitre 2, 613. Pousse tes cris là. Qu'est-ce qu'il dit à le peuple? C'est qui qu'aime tous autres, mais tous la grain, j'ai bon Dieu. Après, il dit au peuple là, pousse tes cris d'allégresse. Donc, il dit, il est plaigné là. Pousse tes cris d'allégresse. Réjouis-toi quand je viens habiter au milieu de toi, dit l'Éternel. Pense-toi les paroles, ça? C'est qui qu'aime tous toi, et puis tous la grain, j'ai là. Mais que ça n'est pas insensé pour qu'on parle tous la réaliser, bon Dieu. Parce que ton sécurité, on va me laisser. Je dois te l'équerre. C'est peut-être moi là. Bon Dieu, tout, protège-moi. À cause de une situation qui apparaît négative. Je dis, bon Dieu, sens négatif, fais vie positive. C'est un peu comme ça, la victoire dans l'épreuve. Dans l'épreuve, même dans la victoire. Trois camarades Daniel, quand c'était. Eh, bon Dieu, tu fais un miracle, qu'un est pour une ça. Non, parce qu'un miracle, qu'un est pour une ça. Les autres rentrent une seconde après, ils disent c'est eux. Et ben là, sorti, la fumée, l'odeur, la fumée, elle prend. Les autres laissent, elle est endommagée. Malheureusement, parfois, nous ne sommes pas veillés, laissent endommagée. Laissent, ça bêtement, nous, on s'est endommagée. Ça bêtement, justice, ça lui, là, endommagée. Un problème, quand on vient abandonner le bon Dieu. Non, 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 non. Une victoire de l'épreuve. Jette la fosse au lion, Daniel. Qu'arrivé. Qui ça bon Dieu te persévérance avec persévérance à délivrer toi. Mais personne qui est arrivé, ma famille. Quand on est dans l'épreuve là, il ne faut pas abandonner là. Non, la même là, pour faire asier la foi dans la promesse de mon Dieu, pour sortir de cette situation là. Celui qui vous touche sur la prunelle de ton œil, pousse tes cris d'allégresse. Louis le Seigneur donne les gloires. Réjouis-toi quand je viens habiter au milieu de toi. Eh, bon Dieu habite au milieu de nous. Bon Dieu, plus que ça, il est dans nous maintenant. Abraham, connais moi-même ton bouclier protecteur, moi-même ton grand récompense. Madame, mon corps, Genèse, habite 15. Bonne bête, je te remercie, le Seigneur. Gloire à Dieu, merci, Seigneur.